Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 372 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on avait encore continué d'explorer les hauteurs Gerudo, on n'en finit plus, dans lequel on avait fait, souvenez-vous, le sanctuaire Kela, le sanctuaire de Kimakosasa. C'était une épreuve extrême de force qu'on avait gérée, et du coup bah il nous manque plus que ça à explorer, mais les amis, mais on ira l'explorer un peu plus tard si vous me le permettrez, parce que aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer à quelque chose les amis. Voilà, on va faire les quêtes secondaires un peu avant. Voilà, donc ça va vous changer un petit peu d'habitude, ça va éviter de, voilà, comme ça vraiment on casse un petit peu la routine du truc. Et puis voilà, donc écoutez, avant de faire quoi que ce soit, on va quand même aller voir la grande fée qui est là devant. On va prier devant la statue de la déesse pour avoir un nouveau réceptacle de cœur. Et puis après, ben, si on a le temps, on commencera tout simplement les quêtes secondaires. Enfin, en tout cas, notre session de quêtes secondaires. Oh, fiou! Je suis heureuse de te voir. Veux-tu que je renforce tes vêtements? Actuellement, je peux rendre tes vêtements relativement résistants, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. Alors, du coup, on peut. Ok, oh mon dieu, on peut en faire plein, ok. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, on peut en faire vraiment, vraiment plein. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, ok, d'accord. on peut vraiment en faire plein. Alors du coup, le casque Zora. Donc on passe de 3 à 5 de défense. Cela requiert un casque Zora sur 1, évidemment. Et 3 cordes des alphas sur 286, entendu. Je dois donc améliorer le casque Zora, oui. Bien, c'est parti. Mon amour, c'est moi qui te touche, t'es petit néné. Casque Zora, une étoile, 5 de défense, vitesse, nage plus. Les écailles de dragon dont ce casque serait fait permet de nager plus vite et d'utiliser l'attaque tornade dans l'eau. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, j'ai terminé, ces vêtements étaient un peu plus résistants. Les vêtements acquirent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés. Mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ces pouvoirs se déclenchent. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc évidemment on va faire du coup l'armure Zora. Donc il va passer de 3 à 5. Cela requiert une armure Zora sur 1 et 3 écornes de les alphas sur 283. Donc évidemment voilà, je pense que je peux améliorer l'armure Zora. Que tu es là, j'y vais, bah oui s'il te plaît. Bon c'est parti. On va vraiment, je vous le dis, hein, améliorer. Ça va prendre peut-être tout l'épisode, hein, je vous le dis finalement. Comme dans Tears of the Kingdom, ça nous a pris toute la vidéo. Ça nous a pris même 30 minutes. Armure Zora, une étoile, 5 de défense, vitesse, nage plus. Cette armure réalisée avec soin par une princesse Zora vous permet de remonter facilement les cascades. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc on va évidemment renforcer ça là. Jambière Zora, donc 3, 5 de défense. Cela requiert une jambière Zora sur 1 et 3 cordes des alphas sur 280. Tu veux que j'améliore la paire de jambières Zora? C'est bien cela? S'il te plaît. Bien, c'est parti. Voilà, comme ça au moins on le fait plus pendant un petit temps. Jambière Zora, 5 de défense, vitesse, nage plus. Les jambières transmises chez les Zora de génération en génération permettent de nager plus vite. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau, de leur niveau, voilà. La défense de leur niveau plutôt. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Alors du coup, on peut... Alors attendez, que j'améliore pas 50 fois la même tenue. Hein. Masque de Shake, ça c'est masque de Shake, ok. Faudra en vendre, hein. Faudra vendre certains trucs. Ok. Alors, masque de Shake. Donc, il va passer de 4 à 6. Cela requiert un masque de Shake sur 1, 2 princesses de la sérénité sur 23 et 2 fragments d'étoiles sur 2. Donc, veux-tu que j'améliore le masque de Shake? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. C'est vrai que les fragments d'étoiles, on en a vraiment besoin. Il faudra vraiment farmer les fragments d'étoiles aussi. Masque de Shake, 2 étoiles, 6 de défense, discrétion plus ce masque de Sheikah qui a aidé le héros qui traversait le temps et est idéal pour passer inaperçu. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Le truc d'escalade, ouais, on peut. Alors, du coup, grande escalade. Alors, 5 de défense, cela requin, du coup, enfin, passe de 3 à 5. Cela requin, un grand escalade sur 1, 3 ailes griffes sur 561 et 3 chapitres impôts sur 182. Entendu. Je dois donc améliorer la paire de gants d'escalade, oui. Bien, c'est parti. Tac. Gants d'escalade, 5 de défense, vitesse d'escalade, puisque conçu d'après des technologies antiques, ces gants particulièrement fiables facilitent l'ascension des falaises. Une grande fée a augmenté leur défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y.
Alors du coup on va évidemment améliorer le soulier d'escalade. Donc on passe de 3-5 de défense. Alors il y a un soulier d'escalade sur 1, 3 Elgriffus sur 558 et 3 Champitempo sur 179. Attendu, je dois donc améliorer la paire de souliers d'escalade, oui. Bien, c'est parti. Souliers d'escalade, 5 de défense, vitesse d'escalade plus conçu dans un matériau qui facilite l'intention des falaises, ces souliers permettent de moins glisser, une grande fée augmentée de leur défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé, soit du coup je renforce la note de tes vêtements, oui vas-y. Donc on va améliorer du coup, alors non, il faut pas qu'on se trompe, je crois qu'on l'a jamais fait les hommes divins, c'est ça. Ouais, on les a jamais fait, donc, faudra pas que j'en améliore deux fois la même truc hein. Donc l'homme divin de Médo, c'est ça, on a combien de l'homme divin de Médo? On en a 3 d'ailleurs. On en a 3. Alors du coup bah, on va améliorer celui-là. Donc homme divin de Médo. Donc on passe de 4 à 7. Antifre comme d'habitude. Solo requin du coup. Une homme divin de Médo sur 3, 5 vis antiques sur 142 et 5 ressorts antiques sur 93. Veux-tu que j'améliore l'homme divin de Médo? Oui. Bien, c'est parti. Homme divin de Médo, 7 de défense anti-froid, conçu par le pilote pour le pilote de la créature divine Va Médo. Ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur, une grande fée augmentée de sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce une note de tes vêtements? Oui, vas-y. Ok, donc pareil, lui il faut pas se tromper, homme divin de machin, donc il faut vraiment pas se tromper. Ok. Homme divin de Rudania. Alors, cela... On passe de 4 à 7, cela requin. Du coup, une homme divin de Rudania sur 2, 5 vis antiques sur 137 et 5 ressorts antiques sur 88. Je pense que je peux améliorer le homme divin de Rudania. Que tu as là, j'y vais. Bah oui, vas-y. Bien, c'est parti. C'est vrai que du coup, quand on va devoir s'attaquer aux épisodes farm pour pouvoir farmer les fragments étoiles, on va pas s'en sortir. Homme divin de Rudania, 7 de défense anti-flamme, conçu pour le pilote de la créature divine Va Rudania. Ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur, une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Soit du coup, je renforce la note de tes vêtements. Oui, vas-y. Alors, du coup, on va pouvoir améliorer. Non, pas de Médo, du coup. On va pouvoir améliorer l'armure de pierre. On passe de 3 à 5 de défense. Cela aurait qu'une armure de pierre sur 1, un lézard linifus sur 20 et 2 cornes de mobline sur 151. Donc, veux-tu que j'améliore l'armure de pierre? C'est bien ça? Oui. Bien, c'est parti. Armure de pierre, une étoile, un 5 de défense anti-flamme. Cette armure fabriquée par les Gorons pour les humains est confectionnée à partir de pierres résistantes au feu et une grande valeur à augmenter sa défense d'un niveau. Et résistante au feu. Voilà, c'est terminé. Veux-tu que je renforce une des deux notes de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc non, lui. Botte de pierre, on passe de 3 à 5 de défense. Une botte de pierre sur 1, un lézard inifus sur 19 et 2 cornes de mobline sur 549. Donc évidemment entendu, je dois donc améliorer la paire de bottes de pierre, oui. Bien, c'est parti. On va essayer d'améliorer au maximum hein. Botte de pierre, une étoile, 5 de défense anti-flamme, fabriquée par les Gorons par les Iliens. Ces bottes composées en partie de pierre protègent du feu, une grande fée augmentée leur défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un note de tes vêtements? Oui. Alors, du coup, on va améliorer le casque de pierre, les amis. Voilà, on passe de 3 à 5 de défense. Et du coup, sur le requin, un casque de pierre sur 1, un lézard inifus sur 18 et 2 cornes de mobline sur 147. Donc, évidemment, on le fait. Je pense que je peux améliorer le casque de pierre que tu as là. J'y vais, vas-y. Bien, c'est parti. C'est vrai qu'en plus, il faudrait qu'on aille vendre un petit peu le surplus d'armure. Casque de pierre, une étoile, 5 de défense, anti-flamme, fabriqué par les artisans courants pour les touristes. Ce casque en pierre couvre la tête et protège du feu. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Sais-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Ok, donc il y en a encore plein à renforcer, putain. Alors, Médo, non. Or ceux-là on va pas les améliorer tout simplement. Et ni celui-là non plus. Parce que du coup c'est l'autre qui est là-bas, ok. Donc on va pouvoir tout simplement améliorer le homme divin de Ruta. On l'a jamais eu Ruta, c'est bien ça. Donc l'homme divin de Ruta. Donc les amis, c'est parti. Donc on va passer de 4 à 7
défense, oui, enfin, il se l'aurait qu'un un homme de vie divin de Ruta sur 1, 5 vis antiques sur 132 et 5 ressorts antiques sur 83. Tu veux que j'améliore l'homme divin de Ruta, c'est bien ça? Oui, s'il te plaît. C'est bien, c'est parti. Ok. Finalement, ça a pris tout l'épisode. Ça a pris tout l'épisode. Homme divin de Ruta, une étoile, 7 de défense, vitesse nage plus, conçu par la pilote de la créature divine Baruta. Ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur. Une grande sphère augmenter sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir faire un Vanaboris, hein, qu'on n'a jamais obtenu. C'est bien ça. Du coup, c'est parti. Alors, du coup, homme divin de Naboris. On passe de 4 à 7 de défense. Cela requiert un homme divin de Naboris sur 1, 5 vis antiques sur 127 et 5 ressorts antiques sur 78. Je pense que je peux améliorer l'homme divin de Naboris que tu as là. J'y vais. Vas-y, t'y vais. Bien, c'est parti. Homme divin de Naboris, une étoile, 7 de défense anti-électricité. Conçu par la pilote de la créature divine Vanaboris, son trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur. Une grande sphère a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. On va renforcer évidemment du coup le casque Zora. Donc on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert un casque Zora sur 1, 5 griffes de les alphas sur 354 et 5 perches Hyrule sur 150. Tu veux que j'améliore le casque Zora? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. C'est magnifique. Casque Zora, 2 étoiles, 8 de défense, vitesse nage plus les écailles de dragon dont ce casque serait fait permet de nager plus vite et d'utiliser l'attaque tornade dans l'eau. Une grande sphère a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Évidemment, on va améliorer l'armure Zora, donc on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert une armure Zora sur 1, 5 griffes de les alpha sur 349 et 5 perches Hyrule sur 145. Veux-tu que j'améliore l'armure Zora? Oui. Bien, c'est parti. On ne s'arrête plus. Décidément, on ne s'arrête plus. C'est une dinguerie, on ne s'arrête plus. Armure Zora, 2 étoiles, 8 de défense, vitesse nage, plus cette armure réalisée avec soin par une princesse Zora vous permet de remonter facilement les cascades. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui. Ok. Ensuite, on va renforcer la jambière Zora, évidemment. Donc on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert une jambière Zora sur 1, 5 griffes de les alpha sur 344 et 5 perches d'Hyrule sur 140. Tu veux que j'améliore la paire de jambières Zora? C'est bien cela? Oui. Bien, c'est parti. Jambière Zora, 2 étoiles, 8 de défense, vitesse nage plus. Ces jambières transmises chez les Zora de génération en génération permettent de nager plus vite. Une grande fée a augmenté de leur défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Soit tu que j'enforce un autre de tes vêtements. Oui, vas-y. Alors, du coup, on va améliorer évidemment le gant d'escalade. On passe de 5 à 8 de défense. Alors, il y a un gant d'escalade sur 1, 5 L électrique sur 104 et 5 laser tempo sur 34. Voilà, donc, veux-tu que j'améliore la paire de gants d'escalade? Oui. Bien, c'est parti. Gants d'escalade, 2 étoiles, 8 de défense, vitesse d'escalade plus conçu après des technologies antiques, ces gants particulièrement fiables facilitent l'ascension des falaises. Une grande fée a augmenté de leur défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Ok. Souliers d'escalade. Donc, on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert du coup un soulier d'escalade sur 1, 5 ailes électriques sur 99 et 5 laser tempo sur 29. Attendu. Je dois donc améliorer la paire de souliers d'escalade. Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Soulier d'escalade, 2 étoiles, 8 de défense, vitesse d'escalade plus, conçu dans un matériau qui facilite l'ascension des falaises, ces souliers permettent de moins glisser. Une grande sphère a augmenté leur défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Je renforce un autre de tes vêtements, oui. Ok, donc il ne manque plus grand chose, hein. Ok. L'homme divin de Médo, on passe de 7 à 12 de défense. Cela requiert un homme divin de Médo sur 1, 15 ressorts antiques sur 73 et 10 rouages antiques sur 69, c'est très coûteux. Je pense que je peux améliorer l'homme divin de Médo que tu as là. J'y vais? Oui, vas-y. Bien, c'est parti. C'est très très coûteux.
Homme divin de Médo, 12, enfin 2 d'étoiles, 12 de défense, anti-froid. Plus conçu pour le pilote de la créature divine Vamedo, ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur et une grande fée augmentée lors de sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui. On va améliorer l'homme divin de Rudania. Donc on passe de 7 à 12 de défense. Cela aurait qu'un homme divin de Rudania sur 1, 15 ressorts antiques sur 58 et 10 rouages antiques sur 59. Veux-tu que j'améliore l'homme divin de Rudania? Oui. S'il te plaît, bien c'est parti. Ouais, donc ça va prendre tout l'épisode. Je suis en train de voir, ça va prendre tout l'épisode. Il manque encore quelques tenues à améliorer. Je pense que du coup on aura juste le temps d'aller voir un nouveau, enfin, avoir un nouveau réceptacle de cœur et c'est bon quoi. Alors, homme divin de Rudania, 2 étoiles, 12 de défense, anti-flamme, conçu pour le pilote de la créature divine, Varudania, ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que j'enforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc évidemment, voilà, on va améliorer l'armure de pierre, on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert une armure de pierre sur 1, 3 les araignées sur 17 et 4 crocs de mobline sur 379. Attendu, je dois donc améliorer l'armure de pierre. Oui, s'il te plaît. C'est bien, c'est parti. C'est vrai que. Même les lézards et tout, on en a besoin. On va devoir tous les. On va devoir farmer et tout. Armure de pierre, 2 étoiles, 8 de défense, anti-flamme. Cette armure fabriquée par les Gourons pour les humains et confectionnée à partir de pierres et résistante au feu. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc, on va améliorer du coup les bottes de pierre. Donc, on va passer de 5 à 8 de défense. Cela requiert une botte de pierre sur 1, 3 les araignées fuient sur 14 et 4 crocs de mobline sur 375. Il faut que j'améliore la paire de bottes de pierre. C'est bien ça? Oui, s'il te plaît. C'est bien, c'est parti. Oh, ça nous aura pris tout l'épisode. Botte de pierre, 2 étoiles, 8 de défense, flamme fabriquée par les Gourons pour les Iliens. Ces bottes composées en partie de pierre protègent du feu. Une grande fée a augmenté leur défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Casque de pierre, on passe de 5 à 8 de défense. Cela requiert un casque de pierre sur 1, 3 les araignées fuient sur 11 et 4 crocs de mobline sur 371. Je pense que j'ai pas vu le casque de pierre que tu as là. J'y vais, oui. Vas-y, bien, c'est parti. Ah, ça aura vraiment pris tout l'épisode. Tiens, c'est abusé. Casque de pierre, 2 étoiles, 8 de défense, anti-flamme, fabriqué par les artisans Gourons pour les touristes, que ce casque en pierre couvre la tête et protège du feu. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y. Ça, c'est coûteux. C'est très coûteux. L'homme divin de Ruta. Donc, on passe de 7 à 12 de défense. Cela requiert du coup une homme divin de Ruta sur 1, 15 ressorts antiques sur 43 et 10 rouages antiques sur 49. Veux-tu que j'améliore le homme divin de Ruta? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Salut Marlon sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, bonjour à toi. L'homme divin de Ruta, 2 étoiles, 12 de défense, vitesse, nage, plus. Conçu par le pilote de la créature divine Varuta, ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, ce sera le dernier normalement. Parce que du coup, en fait, tout ça, ça requiert des. Putain, des éclats de corne de Rodrak, ça va, oui. Pas comme si c'était pété. Mais tout ça requiert. Des choses ne peuvent pas être renforcées, mais voilà, des fragments d'étoiles et tout, quoi. C'est tellement coûteux, c'est abusé. Alors du coup, homme divin de Naboris. Alors cela requiert du coup, évidemment, alors on passe de 7 à 12 de défense, cela requiert un homme divin de Naboris sur 1, 15 ressorts antiques sur 28, 10 rouages antiques sur 39. Tu vois que j'améliore le homme divin de Naboris, c'est bien cela? Oui. Bien, c'est parti. Et comme ça, après, on va directement aller voir notre. Enfin, avoir notre nouveau réceptacle de cœur, et puis après, on s'arrêtera là. Homme divin de Naboris, 2 étoiles, 12 de défense, anti-électricité. Conçu pour le pilote de la créature divine Banaboris, ce trésor améliore le pouvoir spécial de son porteur. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, vas-y, mais je pense que c'est bon. Voilà, on n'a plus rien à améliorer. Tu vas me dire bien me manquer, bien. A plus! Voilà. Alors du coup, on va quand même avoir notre nouveau réceptacle de cœur. Et puis après, on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. C'est déjà très bien. Tech. C'est déjà très 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 bien.
Donc ouais, il faudra farmer, il faudra faire des épisodes farm, hein, parce que là, je vous avoue que ça va commencer à poser problème sinon. Alors du coup, ouais, on va évidemment. Putain, j'appuie sur le bouton pour me mettre en chute libre. Mais non, c'est vrai qu'on n'est pas dans Tears of the Kingdom. Toi qui as sûrement traîné tes preuves et obtenu des emblèmes du triomphe. Si tu le sais, je peux t'offrir plus de puissance contre Kratos ces emblèmes. Que ça, tu recevras un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur, oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Donc un sanctuaire, on pourra même avoir un autre réceptacle de cœur. C'est quand même bien. Réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont fait des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Et ben voilà. Va, il ramène la paix en Hyrule. Bien, bah écoutez les amis, au moins on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Putain, le lézard. On se retrouvera pour l'épisode prochain, tout simplement. Alors d'abord, on va juste quand même... Tiens, voyageur, bienvenue au village Cocorico. C'est pour ça, nos bêtes, nos créatures remarquables. J'ai des produits de qualité, oui, tu sais. Achète-moi un truc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai tout simplement ça à vendre. Je donne 125 rubis, merci. Tu peux compter, surtout parce que... Ok. Ensuite, on a celui-là. Le M. Divan Medo, 125 rubis. Quelle chance d'avoir mis la main sur une telle merveille. Ok. Ça aussi. Voilà. Et encore, celui-là aussi. Masque de chèque, 125 rubis. Voilà. Sur l'occasion, je peux faire autre chose pour toi. Non, c'est bon. Et du coup, écoutez, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouvera pour l'épisode 373. Dans lequel, on commencera tout simplement les quêtes secondaires. Voilà. Donc, on fera notre session de quêtes secondaires. Je sais pas combien d'épisodes il nous prendra. Mais voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Donc, je pense que les amis, avant de commencer, on a du coup les quêtes sanctuaires. Et on a aussi les quêtes, enfin les missions tout simplement. Alors certains quêtes sanctuaires on pourra pas les faire. Par exemple, voilà, donc du côté des bras il me semble. Un jour sur la fin d'une montagne, regarde en nord-ouest, donc c'est vraiment du côté des bras. Donc malheureusement on ne pourra pas le faire par exemple. Mais voilà, tout à coup ils ont vu un oiseau blanc très gigantesque. Il a l'air de voler, donc bon. C'est pas, malheureusement on ne peut pas le faire hein, celui-là, c'est triste mais je crois qu'on peut pas le faire. C'est ici, mais je veux dire que c'est pas ici le slot. C'est quelque part par là, normalement. Donc malheureusement, on ne peut pas le faire. Par contre, normalement, on pourra faire ça. Les orbes antiques pour les protéger, enfin les géants. Et le truc de tunnel de Marpeau, je pense qu'on pourra le faire aussi. Donc voilà, on a ça, puis après on aura les missions. Donc d'abord, on va faire les sanctuaires, faire les quêtes sanctuaires. Puis après, on fera un petit peu les quêtes missions. Et si on a le temps, on fera autre chose, tout simplement. Donc écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode 372 et on se dit à l'épisode 373, allez d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!